goes without saying that due to the corona pandemic, we have faced and are still facing exceptional challenges this year, not only from an economic perspective with unprecedented collapse in business activities, but also from a humanitarian and societal perspective, with large number of people in unemployment and increasing poverty across all layers of our society. To me, COVID-19 makes clear that environmental imbalances and a societal disequilibrium can have massive economic ramifications impacting both companies and investors. By launching an ambitious Green Deal and setting up a large Green Recovery and Just Transition Fund, the European Commission made clear they understand the urgency to act. There is no excuse anymore for taking the wrong direction. But what is that Green Deal? The Green Deal forms the strategic framework of the European Commission to achieve the primary objective of net zero greenhouse gas emission economy by 2050. It's an ambitious economic growth program, but at the same time also a very inspiring political project never seen since the creation of the European Union and the Euro. Europe needs a new, but certainly also a different growth strategy that will transform the Union into a modern, resource-efficient and competitive economy. So the Green Deal provides a concrete action plan to decouple economic growth from resource use and to leave no persons and no region behind. But don't think that action plan is going to be a one-man show. Reaching that target will require action and engagement across all sectors of our economy. That is, first of all, decarbonizing the energy and utility sector by switching to more renewable resources like wind, hydro, solar, and also switching to recycling. Secondly, rolling out cleaner, cheaper, healthier forms of private and public transport, so electrification and green hydrogen will be key here. Thirdly, investing in more environmentally friendly technology and supporting the industry to innovate. And then lastly, ensuring that buildings become more energy efficient. This will create economic opportunities, a lot, but it will also create risks. So the European Union will provide financial support to help those that are most affected by moving towards that green and circular economy using the Just Transition mechanism. It will help mobilize at least 100 billion of euros over the period 21-27 in the most affected regions. Now, is this all feasible? Well, I'm absolutely convinced that it's technically and economically possible to reach that objective of a net zero carbon economy. Yes, it requires ambition and imagination, but it's feasible. According to the Energy Transition Commission, the required additional investment for achieving that target is between $1 to $2 trillion annually, globally. While it is significant in absolute terms, that amount of money, it amounts to no more than 1 to 1.5% of global GDP. And I believe that the scale of the required additional investments is small and affordable given the current massive spending and fiscal deficits being deployed and dedicated to stimulate our economy and save our society from the global pandemic. And it certainly pales in comparison to the global savings and investments. Pour lutter contre le réchauffement climatique, la Commission européenne s'appuie sur plusieurs dispositifs. Quand on additionne l'ensemble de ces dispositifs, l'enveloppe globale atteint à peu près 550 milliards d'euros. Sur ces 550 milliards d'euros, il y en a 300 qui proviennent du budget de l'Union européenne, qui sera bientôt voté et qui portera sur les années 2021 à 2027. Alors, c'est un effort important parce que ça représente à peu près 30% du budget de la Commission européenne et que c'était, il faut le rappeler, à peu près 20% lors du précédent exercice. Alors, ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que ces dépenses qui proviennent du budget européen ne fourniront pas en tant que telles une impulsion supplémentaire à l'économie européenne.
Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'argent frais, mais de la réorientation des fonds européens en faveur de l'enjeu climatique. En plus de ces 300 milliards d'euros, il y a également 250 milliards d'euros qui, eux, constituent bien, à proprement parler, de l'argent frais, hein, puisqu'ils proviennent, ces 250 milliards d'euros, du plan de relance européen qui a été décidé cet été par les autorités européennes. Et ce plan de relance européen, il faut le rappeler, va permettre à la Commission d'emprunter jusqu'à 750 milliards d'euros. Cette question est assez complexe et aujourd'hui, malheureusement, les études ne permettent pas vraiment de la trancher. On sait quand même un certain nombre de choses. Il semblerait que les dépenses d'investissement vert ne fournissent pas à proprement parler de soutien supplémentaire par rapport à des dépenses d'investissement plus classiques. Le deuxième point, on sait également, c'est que la nature des dépenses va compter. Alors, il y a un certain nombre de facteurs qui vont entrer en compte. On peut penser, par exemple, au contenu en valeur ajoutée domestique de ces dépenses d'investissement, mais aussi au contenu en emploi de ces dépenses d'investissement. Et de ce point de vue, clairement, les dépenses de rénovation énergétique qui constituent une part assez importante, a priori, du dispositif européen, vont être assez intéressantes. Enfin, il y a un dernier point qu'il faut bien garder à l'esprit concernant l'effet multiplicateur de ces dépenses, c'est qu'il va assez classiquement, finalement, dépendre de l'état de l'économie lorsque les dépenses seront réalisées. En effet, plus l'activité sera morose au moment où les dépenses seront réalisées et plus on pourra s'attendre à ce que l'effet multiplicateur soit relativement élevé. On l'a vu, la seule source d'argent frais dans les dispositifs mis en place par la Commission européenne provient du plan de relance européen. Ce qu'on sait concernant ces dépenses, c'est qu'elles ne débuteront au plus tôt que sur la deuxième partie de l'année 2021. On sait également qu'à leur pic, en 2022 et 2023, elles atteindront à peu près entre 1 et 1,5 points de PIB pour les économies qui en sont les principales bénéficiaires, que sont l'Italie et l'Espagne par exemple. Ça représentera seulement 0,6 points de PIB, il faut le dire, pour l'ensemble de la zone euro. Donc si on fait l'hypothèse d'un effet multiplicateur relativement médian de l'ordre de 1,5, on voit tout de suite que le soutien, l'impulsion budgétaire fournie par ce plan de relance sera sensible, certes, mais il nous semble que parler d'un New Deal à cet égard est un petit peu exagéré. Donc grâce à ces deux dispositifs que sont le budget et le plan de relance européen, la Commission a clairement fait un pas dans la bonne direction. Alors aussi bien au niveau de la lutte contre le réchauffement climatique qu'en matière de soutien de l'activité et de développement des dispositifs de solidarité au sein de l'Union européenne. Il appartient, il nous semble, désormais au gouvernement de s'emparer de cette thématique et de poursuivre les efforts engagés par la Commission européenne. The European Commission has many other tools to steer our economy away from fossil fuels and polluting activities to more green and circular growth. First of all, reallocating subsidies away from those industries and business models that are heavily reliant on fossil fuel resource use, but also carbon pricing and taxation, which is an ideal economic mechanism to better price the environmental cost of carbon dioxide and other pollutants. It allows for a more gradual economic transition, but thus the pricing signal works its way through the value chain, it will also change consumer behavior. But I also believe that the financial sector needs to be a much bigger contributor than what it is today. The European Investment Bank is already deploying 1 trillion euros in a green investment agenda, but the European Central Bank should do much more. Through its bond buying program, they can play a more important role as it impacts the risk premium of financial assets. They cannot use the excuse of policy neutrality when it relates to climate change. So, regulatory thinking clearly needs to further be developed in this space and urgently. More ambition, more imagination to think the unthinkable. And I'd like to end with a quote of Ursula von der Leyen, the president of the European Commission. She said, "This is Europe's man on the moon moment."